cacher. Tu ne joues plus, Sophie. Pourquoi? Chut, regarde. Allons, allons, ce n'est pas si terrible. Pourquoi ma tante d'Aubert est-elle si malheureuse? Je ne sais pas. Maman a reçu une lettre et depuis elle est triste. Et cette lettre, est-ce que tu l'as lue? Non, mais tout à l'heure j'ai entendu maman pleurer. Elle disait, c'est terrible de devoir abandonner ses parents et ses amis pour un autre pays. Tu veux dire que ma tante va partir en voyage? Je n'en sais pas plus pour l'instant. Tu as vu ça, Paul? Qu'est-ce que c'est? Sophie! Sophie, Paul! Ne restez pas là, c'est dangereux! Et venez nous rejoindre! Je ne vois pas en quoi cette merveilleuse crème peut être dangereuse. Oh. Maman, pourquoi ne puis-je pas aller jouer auprès des maçons? Parce qu'ils lancent des pierres et des briques. Et puis parce qu'il y a du sable et de la chaux qui pourraient te faire glisser et te faire mal. Oh, mais maman, le sable et la chaux ne peuvent certainement pas faire de mal. C'est ce que tu crois. Mais moi, je sais que la chaux brûle. Oh, mais maman... Ne raisonne pas tant, voyons. Je ne veux pas que tu ailles près des maçons. Mais là n'est pas la question. Nous devons vous parler. Venez, suivez-nous. Voici Monsieur Fichini, un très vieil ami de ton père et de ta tante. Il travaille avec papa dans les trains, n'est-ce pas? C'est celui qui est parti il y a longtemps en Amérique? Oui, c'est bien lui. Comme ton père, il était président des chemins de fer, mais en Amérique où il a fait fortune. Et maman doit partir le voir, c'est ça? Paul, ta maman vient d'apprendre que Monsieur Fichini est mort. Comme il n'avait pas de parents, il nous a laissé toute sa fortune. Ton père et celui de Sophie sont donc obligés d'aller en Amérique. Mais c'est très loin! C'est pourquoi ta tante et moi, nous voulons les accompagner. Et pourtant, nous sommes tristes de quitter nos parents, nos amis et nos terres. Et nous? Vous allez nous laisser seuls? Mais non, Sophie. Paul et toi, vous viendrez avec nous. Ah! Mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas? Un an ou deux, peut-être. Ma tante, il ne faut pas pleurer, puisque nous serons tous ensemble. Et puis, ça doit être beau, l'Amérique. Ses enfants ont raison. Et 2 ans seront vite passés. Non! Pas comme ça, Paul! Tu risques de te faire mordre. Regarde, il faut toujours tenir sa main grande ouverte. Je suis content que ma mère ne pleure plus. J'ai remarqué que les enfants consolent très facilement leur maman. Peut-être parce qu'elle les aime. Y a-t-il des chevaux en Amérique? Sans doute, enfin, je sais pas. Il faudrait que je demande ça à mon papa. Et des tortues? Sûrement. Et des corbeaux superbes, des corbeaux rouges, oranges, roses. Pas comme nos affreux corbeaux noirs. Et des perroquets, et des oiseaux mouches. Et puis des vaches bleues, violettes, vertes. D'immenses lèvres jaunes. Maman m'a donné l'autre jour une pièce de 5 francs. Eh bien, j'achèterai un joli souvenir de voyage. Un superbe perroquet à qui j'apprendrai à parler. Bonne idée. Allez, tu viens. Attends-moi! Regarde! Ne me dis pas que tu vas manger ça! Et pourquoi pas? Parce que ce pain n'est pas bon! Et tu n'es pas un cheval! Si les chevaux mangent ce pain, c'est parce qu'il est délicieux! Ça m'étonnerait! Regarde cette croûte un peu trop cuite! Elle a encore le goût du feu de bois, mais cette mie bien ferme! Et de plus en plus tendre à l'intérieur! Que c'est bon! Je peux goûter. D'accord, si tu me trouves. Bien, mais je compte jusqu'à 50 seulement. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme cette chaux est blanche et jolie,
Ce doit être doux et agréable sous les pieds. On dirait du sucre glace. Oh non, de la glace. Je vais glisser dessus et traverser tout le bassin. Je serai renvoyée. Oh non, ne dites rien, je vous en supplie. Mina, qu'est-il arrivé? Mademoiselle Sophie est allée dans le bac à chaud, madame. Je vais vite lui rincer les jambes. Voilà, madame, vous pouvez être tranquille. Heureusement, j'étais là. J'ai pu vite lui essuyer les jambes avec mon tablier. Oh, regardez, il est plein de trous. Mademoiselle, je vous avais défendu de vous approcher de la chaux. Votre punition sera de me rendre votre pièce de 5 francs afin de racheter un tablier neuf à votre bonne. Oh maman, je vous en supplie, laissez-moi ma pièce de 5 francs. Je dois la garder pour amener d'Amérique un beau perroquet. Je suis désolée, Sophie. Mais maman, je n'irai plus jamais là où je ne dois pas aller, je vous le promets. Mina, accompagnez les enfants auprès de Miss Albion, je vous prie. Et qu'elle les fasse étudier. Au moins, je suis sûre qu'avec elle, Sophie ne fera pas une bêtise de plus. Oui, madame. Voyez comme vous êtes méchante, mademoiselle Sophie. Par votre faute, madame est fâchée contre moi. Aujourd'hui, rédaction. Écrivez-moi un petit texte de 3 lignes sur un sujet de votre choix. Est-ce que vous m'écoutez, mademoiselle Sophie? Oui, Miss Albion. On ne le dirait pas. Si vous écoutiez davantage ce qu'on vous dit, vous feriez peut-être un peu moins de fautes d'orthographe. Je reviendrai dans une demi-heure pour lire votre prose. Et prenez garde aux fautes, mademoiselle. Tu ne travailles pas? Non. Tu devrais. Et pour écrire quoi, hein? Je ne pense qu'aux 5 francs qu'on m'a pris. Sophie, tu n'en tiras bon compte. Ta punition aurait pu être bien pire. Excuse-moi, Paul. Je vais me mettre au travail, même si ça ne sert à rien. Ce n'est pas toujours ennuyeux d'écrire. Si tu faisais un petit mot d'adieu à Camille et Madeleine. C'est vrai. Chère Camille et Madeleine, je vais partir pour très longtemps. Il s'en irait sans eux en Amérique. Madame, votre mère m'a recommandé de mettre les jouets dans cette malle. Mais elle est minuscule! Nos jouets ne tiendront jamais à l'intérieur. Ne commencez pas vos caprices, mademoiselle Sophie. On ne peut pas emporter tout le château en Amérique. Difficile de choisir. Bon, je vais prendre celui-ci. Celui-là, et surtout mon costume, il sera tout à fait approprié pour l'Amérique. Oh, comme je suis content. Nous allons être ensemble, avec tes parents et les miens. C'est si rare. Oh, Sophie. Camille, Madeleine, on est là. Alors ça y est, vous partez? Oui, pour 2 ans. Ça va être bien long. Allons jouer une dernière fois. Oui, d'accord.
Moi, j'aurais peur d'entreprendre une si longue traversée pour aller en Amérique. Oh, pas moi. J'espère même que nous rencontrerons une tempête. Ça doit être amusant. Comme tu es courageuse. Tu dis ça parce que tu n'as jamais été sur un bateau. Attends de voir un peu ce que c'est. Et alors? C'est comme être dans une voiture, sauf que c'est sur l'eau. Justement, tu vas devoir d'abord affronter le trajet jusqu'à Paris. Oh, ce n'est rien. Comment? Être enfermée une journée entière dans une berline? Avec les chaos de la route? Nous ne serons pas enfermés toute une journée. Nous nous arrêterons au moins pour manger. Oh, ce n'est pas sûr si vous voulez être à Paris ce soir. Monsieur Sophie, Monsieur Paul, vos mères vous réclament. Venez vite, il est temps de partir. Oh, déjà. Mademoiselle Sophie. Nina, avez-vous préparé un repas pour le voyage? Au lieu de penser à manger, vous feriez mieux de vous dépêcher. Sophie! Sophie! Alors, mademoiselle? Toujours à se faire attendre. Je suis pas su dire au revoir aux chevaux. Tu as du mal à partir, Sophie, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Tu vas me manquer. C'est un long voyage qui t'attend. Cela ne t'effraie pas? Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Et promets-moi d'être bien sage. Allez, vite, ta maman t'attend. Fais tes adieux à tes amis, il est grand temps de partir. Au revoir, Sophie. Oh, fais bon voyage. Ah, tu es prête, Sophie? Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Tiens. Chère Camille et Madeleine, je vais partir pour très longtemps. 2 ans sans vous voir. En Amérique, je penserai à vous chaque jour. Et je continuerai de vous aimer de tout mon cœur. Vous me manquerez. Votre amie pour toujours, Sophie. Cette lettre est très jolie, Sophie. Bien tournée et très émouvante. C'est vrai. Tu vois, si tu te donnais plus souvent la peine. Allez, le temps presse. Elle a bien changé et qu'on y fait de grands travaux. J'espère qu'elle ne va pas être défigurée. Merci, Mina, mais je n'ai pas très faim. Comment est-ce possible? Toi qui es si gourmande. J'ai un peu mal au cœur, maman. Tu as mal au ventre? Un peu. Sophie, tu as pris le pain des chevaux. Voilà la raison de ton mal de ventre. Je t'ai déjà expliqué que ce pain était très lourd à digérer. Il reste sur l'estomac. Mais, maman, je craignais de ne pas avoir à manger pendant le voyage. Mais enfin, c'est ridicule. Est-ce qu'on t'a déjà laissé sans manger? Tu te punis toi-même, ma pauvre enfant. Tu vois, tu ne peux pas te régaler avec ce délicieux pique-nique. Thank you.
qu'il est beau. C'est un bateau comme celui-ci que nous allons prendre, maman? Non, Sophie. Ce sera un voilier et beaucoup plus grand. Bonjour, Julius. Bonjour, madame. Avez-vous fait bon voyage? Oui, mais je suis bien heureuse d'être enfin arrivée. Papa! Oh, comme je suis heureuse de vous voir. Bonjour, Sophie. Ce voyage s'est-il bien passé? Oh, oui. Et avant de partir, j'ai écrit un joli mot à Camille et Madeleine. Et je n'ai fait aucune faute. Bonjour, mon cher. Je suis épuisée. Papa, je suis tellement contente de partir en voyage avec vous. Nous ne sommes jamais partis ensemble. Quelle chance! Je me serais volontiers passé d'un tel voyage, mon pauvre Paul. Cela risque d'être extrêmement ennuyeux. Entrez vite, un repas chaud vous attend. Vous devez aussi être affamé. Oh oui, j'ai faim! Sophie n'a pas pu manger son panier repas. Et comment se fait-il? Je vous expliquerai la dernière bêtise de votre fille. Attention, regarde ton manteau. S'il y avait des chevaux en Amérique. Et alors? Eh bien, il y a 300 ans, et il n'y en avait aucun. Ils ont été amenés par les Espagnols quand ils ont découvert le Nouveau Monde. Mais comment? Sur des bateaux. Madame, vous désirez? Il me faudrait de quoi confectionner plusieurs robes, pour moi-même et pour ma fille. Oh, merci, maman. Je vous en prie. Voilà. Je peux vous proposer cette toile des Flandres, ou mieux encore, ces soieries de Lyon. Oh, comme cette soie est belle! Elle ferait une robe magnifique! Non, non, nous avons besoin de tissus plus résistants pour le voyage. Ah, si c'est pour un voyage, je vous conseille ces calicots d'Alsace. Voilà qui me semble plus approprié. Avez-vous plusieurs teintes? Bien sûr. Veuillez me suivre. Sophie, tu viens? Pourquoi ma mère ne veut-elle pas m'acheter de beaux tissus? C'est sans doute qu'elle ne me trouve pas belle. De toute façon, même avec une jolie robe, j'aurai toujours mes vilains cheveux. C'est fini. Tu sais que nous devons retrouver tout à l'heure les cousins de Camille et Madeleine? Léon et Jean de Rugès, c'est ça? Je vois que ma cousine a toujours un fait pour ce cher Jean. Maman, c'est dans un bateau comme celui-ci que nous allons voyager, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Nous allons traverser l'océan dans une frégate comme celle-ci. Une fois en Amérique, tu m'écriras? Bien sûr, Jean. Mais je n'ai pas ton adresse. Je vais te la donner.
J'ai sur moi le petit carnet que tu m'as offert. J'attendrai tes lettres avec impatience. Ah oui, c'est vrai? Si nous organisions une croisière? D'accord. Ici, on dit que c'est la France, et de l'autre côté, c'est l'Amérique. C'est dommage que nous n'ayons pas de personnage à mettre dessus. Oui, il serait bien plus beau. J'ai une idée. Celui-ci, c'est maman. Celui-là, papa. Puis, voilà Paul. Pauvre Paul, il est tout petit. Tante, mon oncle... Sophie, tu ne crois pas que cela fait beaucoup de monde? Et comme il ne faut oublier personne, enfin, moi. Voilà, le voyage peut commencer. Quelle traversée! Ne t'inquiète pas, Sophie. Les vrais navires flottent bien mieux. Thank you.